J'espère que tout le monde va bien. On va pouvoir se lancer dans ce Amnesia. Donc ce nouveau Amnesia ce soir. Ouais, c'est ça. Hop là. C'est parti. Ouais. Alors, commencer une nouvelle partie. Du bon vieux gothique. Oui, je veux commencer une nouvelle partie. Bon. Bon, j'espère voilà, que tout le monde va bien malgré les événements récents. C'était pas facile de se dire ce soir que j'allais faire un live. Mais bon. On est encore là, donc faut en profiter. Ouh, le côté fou, ça j'avais oublié. Daniel. I live in London at Mayfair. Ouais, what have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Déjà, c'est pas mal d'avoir un sous-titre français. My name is Daniel. Jim Shady. Alors, je suis pas droit là. Un bré lancé. C'est propre. Sinon, juste un instant, je vais juste passer le jeu en full screen parce que sinon ça va pas le faire. Hop là, oui. Ah. Bon, il va pas. Ouh, c'est lent. Alors, je. Quoi? Donc ça, on va commencer à lire la lettre, ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Il a du mal avec le mode fenêtre. Tu veux voir Challenger ou TGS? Bah bien sûr, je peux vous donner des nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Challenger? On a une petite surprise. On a bien avancé. Et du coup, on a une petite surprise pour vous au TGS. Sachez que... Alors, on en est où? Alors, je vous donne des exclus quand même, vu que... petit live entre nous. On a... très très bien avancé. On a très très bien avancé sur les montages. On est dans les temps pour la sortie en février. Demande-toi qu'est-ce que tu dises. Ah non, je peux pas, j'en ai besoin quand même. Wow. Je crois qu'il est bourré parce que il tangue un peu. Mais tu la trouves facilement sur Amazon. Par contre, on se tâtait à faire des casquettes Challenger justement parce qu'on a eu quelques demandes. On va voir pour mettre un peu tout de côté pour faire ça, ça pourrait être sympa quoi. C'est dommage. C'est dommage. Vous allez devoir attendre la sortie officielle ou pour les autres un petit peu avant. Est-ce que parmi vous... c'est ça. Amnesia. After Party Spring Break. Est-ce que des personnes d'entre vous ont participé au crowdfunding ou pas? Parce que sinon, là, vous allez avoir des news dans pas très très longtemps. Bon, c'est pas long, on a d'autres trucs. Bien, écoute, Sama. Tu vas surveiller tes mails dans quelques jours. Tu risques d'y voir un truc sympa. Du coup, alors, est-ce que... Wow, faut pas courir. Oh, faut pas courir. pas courir. Là. Oh putain. Il est anémique ou quoi? Le live saccade. Alors attendez. Juste un instant, tac. Je vais couper le live, couper le replay. On va bouffer, on va...
Ouais, gratter de la. On va gratter de la rame. Parce que là, je crois qu'il y avait une porte que je n'ai pas prise. Ouais, là, il y a une salle. Donc, c'est très moyenâgeux, là. C'est vraiment une autre ambiance. Ouais! De quoi, Damadou? Bonjour, c'est Amadou. Si tu appelles Amadou, je fais revenir l'être aimé. Alors, est-ce que vous avez vu? Alors, c'est pas YouPorn, mais. Je prends le balai. Je peux prendre le balai. Non, je peux. Ouais, allez, pars faire du Quidditch. C'est ouais, donc comme je dis, c'était. Je crois que c'était Pornhub qui a vu ça. On va nettoyer un peu l'étage de cendre. Hein. C'est une simulation de portugais. Qui a vu sa fréquentation baisser après la sortie de Fallout. Allez, vole, balai, tu es libre. C'est pas du sang, c'est rose. Hein. Alors. Joli tapis. Il est vraiment mal en point. Hein. Je sais pas qui c'est qui a dégueulé partout en plus. On dirait du. Comment ça s'appelle ce. Ce produit pour les brûlures d'estomac. Et je peux me cacher dans le placard. Je suis caché. Je peux pas sauter. Quoi? Le chien qui m'aguiche. Oui, on remarque, mais l'héberger allemand. Une chemise. Une chemise propre. Non, je veux. Je veux ma liquette. Il a vraiment. Il est vraiment pas dans son assiette, le mec. Hein. Oh, méga courant d'air. Alors, il y a un méchant courant d'air, il n'y a pas une fenêtre. Ah, d'accord. Wow. Le mur respire. Je vais pas tarder à vomir. C'est là, Henrik? Ça roule? Bon, on va passer par là. On est en quelle année là, du coup? J'ai pas. On est dans la même époque que Machine for Pig? Vieilles archives. Ça aurait pu être des archives récentes. Alors. C'est. Ça va pas mieux, hein? Pire ennemi, le vent. Tu es mordu en Chine. Petite douche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? L'ambiance est plutôt pas mal, hein, le jeu est pas très beau, il est vieux quoi. Mais l'ambiance plus sympa. Ah, c'est quand même. Enfin, je sais pas si. Je sais pas au niveau des méchants, mais si je peux pas leur mettre un coup de caisse dans la gueule, c'est quand même un petit peu dommage quoi. Allez. Encore du Lamadou. C'est quoi l'Amadou?
Boîtes d'amadou utilisées pour allumer des bougies et autres sources de lumière dans les environs. Le niveau des boîtes d'amadou disponibles est indiqué dans l'inventaire. Oh putain. Tellement de trucs. Ah, tu vois tellement de trucs. Oula, t'as marqué truck. Qu'est-ce que des camions foutent là, quoi. En fait, c'est un délire de camionneur. Hey, bonjour. T'as vu ça, 16 tonnes. Ok. J'ai pas réussi à ouvrir la caisse, c'était un fail. De la Madou. Qu'est-ce que de l'amadou positif? C'est de l'amadoué. Salut. Vous devez trouver une lanterne pour pouvoir l'allumer. Une... C'était quoi ce bruit? Con. Qui c'est qui mange des cacahuètes derrière moi? Fermé. Hey, Splinter, je t'ai eu. Bon. Tu peux tomber dans les pas, ça te rend peur. D'accord. Ok. Bon. Marcher sur un truc là. Ah, des bougies. Donc celui-là, il y a plus de bestioles apparemment, donc ce qu'on m'explique. Ok. Yes, Potter. Alors. Salut les Protoss. D'accord. Ça, c'est toujours fermé. Trot, trot, trot. Un bouquin. Je peux pas soulever les cailloux. Ce mur a une couleur différente. Avec une bombe, je dois pouvoir faire trou, non? C'est ça? Non. Bah si, je l'ai peut-être raté, ouais, j'ai... Allez, je vais voir si je le trouve pas derrière. Je pense pas l'avoir vu par là. Alors, non. Et oui. Et oui, je vois Jorus au TGS. Il vient nous filer un coup de main sur le TGS. Et malheureusement, il est en cours de déménagement et compagnie. Du coup, il a envie de reprendre les lives, mais c'est pas pour tout de suite. Terry continue avec Fred. Argol, allez, on va retourner vers le hall plus vieux. Ça nous... Ah, je ne peux pas retourner en arrière. C'est Bob le Gob. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Bob le Gob? J'ai vu ça, c'est... Vous connaissez cette chaîne? Je connaissais pas. C'est vraiment très flou. Quelqu'un sait où est la lanterne?
L'ordinateur est un peu chiant. Un ex-streamer de Millennium, d'accord. Je connais pas bien Millennium non plus, hein. Je sais que... John est... Je vais bientôt réavoir une team. Et oui, c'est vrai, je vais bientôt réavoir une team. Je sais pas quoi. Si. Je vais streamer avec les copains de chez Beats & Moll. Faut qu'on arrive à mettre tout ça en place. Ouais, les bouquins. Oui, tout à fait. Ah. Oh, vous vous dites pas que t'as été là depuis le début. Lorsque la lanterne est remplie d'huile ou un double cliquant sur les gars dans l'inventaire. Est-ce qu'il y a une jauge? Alors. Ah, j'ai un cerveau et un cœur. Beat the Mole, oui, ça marche aussi. Mort le centre commercial. Ok, donc maintenant j'ai un inventaire. Ah, du coup, ça a ouvert la porte. Une jolie huile. Comme vas-y. On va appeler Clio. Du coup, c'est silencieux. Ouais. Ils aiment bien les séismes, en fait. Je pense que ce jeu se passe au Japon. Action. Ok. J'ai craqué une allumette. Ça m'a servi à que dalle. Aïe. Un balai. La bûche. Alors, je donne plus d'expérience. Hop, ça brûle pas. D'ailleurs, ce que vous avez vu, enfin, je passe du coq à l'âne, mais vous avez vu les nouveaux bruits qu'ils ont fait avec le moteur Unity, c'est assez bluffant quand même. Hein. Unity vient quand même de fêter ses 10 ans et il y a encore plein de surprises quoi. Toute source de lumière participe à ta santé mentale, d'accord. 19th of August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything. Don't be afraid. God will. One. Ok. J'ai ramassé de l'huile. C'était quoi ça? Ça doit faire 12 kilos. Alors. Ah ouais, des potions. Hop. Ça casse pas. Casse pas. C'est nul. Mais non, je suis l'histoire. Non, mais je voudrais. C'est, ça va être chiant si je lis pendant que vous suivez, donc. Allez, prochain, je suis. Je lirai celui-là après. Alors, voyons voir. Hop, levier. Mais la lumière me rend plus repérable. D'accord.
J'aime pas quand les mecs ils te conseillent de courir, tu sais. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? Pourquoi ce bruit? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. Ce bruit? In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ok, ça reste un flashback. Eh ben, je suis pas dans la merde s'il faut tout gérer comme il faut. Vous savez que je suis un gros boulet quand même. Il fait jour dehors. Ah, c'est des blattes souffleuses. C'est des grosses blattes qui soufflent. De l'huile. C'est bon l'huile. Alors. Oh, faut pas que je sorte. Des blattes. Ouais, c'est des blattes souffleuses ou siffleuses, mais c'est des blattes qui font ce bruit là. Je préfère monter à l'étage, mais tu vas voir que je ne vais pas pouvoir. Ah, je dois pouvoir aller par là. Ok, c'est encourageant. Laboratoire de Dexter. Vous regarderez sur Wikipédia. Il y a la lumière. Laboratoire, vous êtes sûr? Pas un peu la grange là? Oh, qu'est-ce qu'il faut que je... Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je préfère récupérer des piles quand même. Hein. Prendre la lampe, non? Ouais. Je sais, je suis pas logique. Mais le laboratoire semblait intéressant en fait. Eh, lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas bouffer non plus tous mes amadou là. There should be more coop rats. Ouais. And one part aqua force. Faut bien le lire quand même. Hein. Allez, celle-là, on va la lire. Permettre la ventilation d'une fumée ici. Nanana. Mes ingrédients les plus stables que j'avais en stock, certains semblent pas être affectés, mais beaucoup sont chouillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire pour déplacer dans la, les déplacer de la caravane. Oh ouais, je vais aller à la caravane. Non, non, on va pas allumer toutes les bougies non plus. Ça coûte cher le mamadou là. Hop, de l'huile. Alors. On s'amuse comme on peut. Flacon chimique. L'expérience fut un échec. La solution est très acide. Les résultats insuffisants. Ok.
Et on va ouvrir le tiroir. Hop. Mamadou. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, non, ça fait que ça en fait. Pas loin, c'est ça? Pourquoi quand je me casse quand je suis là? Oh. C'est un café irlandais, ouais. Un Irish coffee. Je préfère le Caribbean coffee. C'est pareil, mais avec du rhum. C'est bien meilleur. Le passage à Caterbo. Bon, elle dit que je montais. Alors là, c'est muré. Que penses-tu d'aventures et de jeux de rôle en live? C'est-à-dire comme ça en stream? Ah non, tout à l'heure c'était les vieilles archives. Un brûlerait pour moi. Ah, en effet, c'est plus récent par là. Ok. Alors. Alors, je connais pas du tout, mais j'y ai pensé et on travaille d'ailleurs sur un. On travaille d'ailleurs sur. Sur quelque chose. Bon, ça me pense tout de même en ce moment. Faudrait qu'on s'y remette, mais oui, oui, ça pourrait. On y a pensé. On a pensé, j'ai un ami très cher. Oui, ça se baisse vous, Zelda, oui, tu as bien reconnu. Qui est. 16th of May. 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure. And then it's going to break us up. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London. And the British Museum. Ah, oui, donc comme je vous disais, après que le monsieur m'ait coupé la parole vulgairement, j'ai un ami qui est un très très bon maître de jeu. Et du coup, ouais, on aimerait bien faire ça, ouais. On va d'abord tester ça un peu en solo. Mais ouais, pourquoi pas. Lumière. Du coup, je suis radin en lampin.
Ça va pas tout faire quand même. Hein. Combien j'en ai ? 6. Hop, là, y a rien. Là, y a rien. Hop ! Amadou ! Donne-moi. Alors, par contre, ça sera, je pense, une pièce filmée. Et je voudrais, enfin, si... Je réfléchis à un truc un peu sympa. Un truc un peu, peut-être un peu monté ou avec plusieurs caméras. Enfin, c'est en cours d'étude. C'était quoi ça? Alors. Chemise. Rien. Les mecs, ils ont des chemises, ils ont pas de pantalon quand même. Hein. Amadou! Today, the I was trapped. I was trapped. Et ouais, on a envie de faire pas forcément du Donjon et Dragon, là on en a fait un avec les copains du TGS il y a pas très longtemps, on s'est bien marré. C'est pas toujours évident, on n'a pas forcément le temps. Je continue à foutre le bordel. Hein. En fait, les mecs me poursuivent parce que je fous le white chez eux. Et. Hop là. Ouais. Ouais. Oh, regarde un peu Donjons et Jambons sur O-Gaming. Ok. Ouais, c'est ce que je vais faire, on va dans une même pièce. Hop, hop. Cool. Je sais pas comment on s'use. Faut vraiment bien viser la boule. Ouais, ça va, la même astuce à chaque fois là dans le poil. Hop. Ouais. Ouais, ouais, je peux te dire que Derrida est un super maître de jeu. Ça serait sympa qu'il passe sur le live là, qu'on puisse se relancer un petit peu sur ça. Fermer la clé. Eh ben ils sont pas fait chier au niveau des meubles là, il va falloir passer chez Ikea. Tididi. Un joli galion. Ok, la vue sympa. Course de cheminée. Alors. Petit sprint. Qu'est-ce que c'est? Il y a un trou un peu à fond. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs Crimson Peak? Il y a eu un vieux graissement pourri. L'ambiance marche quand même bien, hein. C'est con, mais on sait se prendre en jeu. Hein. Est-ce que les bougies restent allumées? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. C'est pas mieux? Je sais pas, vous me dites. J'ai vraiment trouvé très très beau esthétiquement.
fait quoi tes cheveux? En fait, ils sont super lents. Ils sont juste super lents, je les ai pas coupés. À la main. Je ne peux pas casser à la main. Comment je vais pouvoir péter ça? Ah celui-là je peux pas le mettre de chandelier. Ouais, je crois que je suis pas coupé les cheveux depuis le dernier tournage de Challenger. Waouh. C'était du sacré papier ça. Ok, carrément. 17 mai 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. J'ai avancé. Pardon. Si je vais dans l'ombre. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Le mec, il n'est pas conformiste. Non, je n'y vais pas dans la lumière. Allez, pêche-toi, con. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away. Alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. Hop, non, prendre la madou. Royaume de Prusse. Ah, ça s'est écroulé derrière moi, carrément. Encore que je trouve vraiment un truc pour péter le mur. Ah bah attends. Alors 1889. Si on pouvait trouver une bouteille un peu comme ça. Des vieux parchemins. Non mais c'est quoi cette toile d'araignée sérieusement? Hop, on va d'où? Je vais péter le mur avec une chaise.
Sérieusement? Putain, j'aurais dû essayer avec le parchemin. J'aurais dû essayer avec le parchemin, vraiment. Encore flashback? You have to be swift. When you activate the you have to be Taylor Swift. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ouais, franchement, pas confiance quand même à la maison. Que l'on va jeter sur la vitre. Voilà. On prend la caisse pour jeter sur la vitre. Ah, tout pété. On ne veut pas s'ouvrir. Des techniques annexes alors que non. Pourquoi je me débrouille bien, c'est ça? C'est sympa. Enfin, c'est fermé. Enfin, speedrun, c'est sympa quand même. Hein. J'ai ramassé de l'huile. On va se faire des massages avec toute cette huile quand même. Hein. Allez. Condère est faible. Ouais. Oui, il y a un moyen d'entrer, il faut pousser l'étagère. Sérieusement, je prends la caisse de malade et je la... Tiens, range. Alors quoi? Alors, un truc... Pas un truc alors pour pousser l'étagère. Alors je jette un bouquin sur l'étagère, elle tombe. Pas tout branche. Il y a un levier caché. Ah, le bouquin là. Oh là là. Et il y a deux bouquins. Et il y a plus que deux bouquins. Trois bouquins. Et voilà. On va bouger trois, les bêta. Faisons un petit feu de cheminée. Ah, you got a key. Voilà. C'est bon? Les armes sont mes amis. Ouais. Bon, ça va être chiant s'il faut fermer la porte comme ça à chaque fois, c'est un peu relou.
Hop. Non, bouquin, tout pourri. On dirait des vieux pancakes. Ce tableau. Oui, mais alors, le mec il se tient comme ça. Alors, tu sais, tu connais la blague du vieux belge? Ah, ça a ouvert la porte là-bas. Pas le même endroit que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ah si, 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 elle trouve. Alors... Ouais, il y a des problèmes de digestion par là. C'est chiant parce que tu les entends. On me dirait c'est fait exprès quoi. Je suis passé par là. Oh putain, la chaise pliante. Fou 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 fou. Alors. Ta blague est en bois comme la chaise. Parce que là, franchement, il n'y a pas beaucoup de placards. Et est-ce qu'on va voir un monstre avant de finir? J'espère pas. J'ai très très peur. J'ai très très peur. J'ai fait de la merde. C'était... C'était la cendre, les cendres de Tata Irène. Pourquoi... Alors... Pourquoi ça se met à... Pourquoi ça se met à flûter comme ça d'un coup? Enfin, c'est l'effet qu'il a quand il a peur. Je les garde. Ouais, c'est chiant, ouais. Ah, je suis peut-être pas passé par là. Hop. Oh, c'est bien de laisser en fait le bordel. C'est... Moi, je sais si je suis passé ou pas. Non. Il est là, voilà. On va retourner vers le hall de l'entrée. Non mais il disait que ça voulait pas bouger, hein. Ah,
C'est dégueulasse. Ah, en fait, je peux marcher dessus. Ah, ça vous fait rire. Mais c'est super dégueu. En fait, ça me pète à la gueule. Ouais, bon, ça va, hein. C'est un jeune château. Il est en pleine adolescence. Il a des boutons. Ah putain. Prendre la clé. Bah vous aurez eu un cri d'histoire. Ah, il faut que je fasse le plein d'huile. J'avais pas vu la jauge. Il faut une lumière soleil parce que sinon mon mental il va pas bien. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Plein de bouteilles. Ah. J'ai peut-être toutes les bouteilles moi, si j'avais chopé. Aïe. Continuons. Ah ben, il a paru, mais j'ai pas vu tout à l'heure. Un truc là. Alors, là, il y en a un C. Alors, comment? La santé mentale? Elle est où ma santé mentale? Mon cœur est vert. C'est bizarre, je sais pas. Hop, Madame Madou. J'avais mis un peu de torches partout avant que je suis passé. Le mec est toujours au-dessus de moi en fait. Bon, on t'entend mieux mais. Aïe.
pour te les vendre dans la gueule. Soit ta tête, disait l'école. Ça pour ta vie. Quoi? C'est un tonnelier. Bon, on va pas tarder à s'arrêter là. Je passe mon curseur dessus. Mais mon curseur sur quoi en fait? Ok. Ah, dans le menu, tu veux dire. Santé, tout est ok. Équipement mental. La tête est au bord de l'explosion. Et les mains tremblent. Eh oui. Allons, il y a la tache de sang. Ah bon. Récupérer de l'huile. Oh putain! Ok. Ça doit être sympa d'avoir la main comme ça. Tout qui est éteint. Et moi s'arrêter là parce que tout est éteint. Les autres ils bouffent des pistaches derrière, c'est chiant. Tutu, je suis caché derrière le bureau. There's nothing left. Everything's gone. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir les amis. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien faire d'autres lives, je vais voir un peu si j'ai un peu de disponibilité, pas forcément le soir mais le week-end ou quoi. Si vous êtes dispo, ça pourrait être marrant. Et puis faut que j'ai le temps là. Mercredi dernier, je sais pas si vous avez vu, mais mercredi dernier, j'ai pas pu me libérer. On est allé chercher la porte des étoiles. Puis les photos aujourd'hui, ça avance bien et elle est chouette. Non, je sais pas où faut aller là. Bon, on verra ça la prochaine fois. Oui, pourquoi pas du multi, il faut voir. Faut voir ce qui tourne et ce qui veut bien tourner. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne heure. Dans la base 51. Ouais, c'est ça. C'était l'opération de Chapaille. Et puis bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live au pire des cas. Et puis sinon, passez une bonne soirée. Gros bisous.